c'est cela. On se retrouve sur Crusader King 3 avec le roi d'Irlande, le roi Jadgvabre, eh oui. Sigfroxon d'Irlande et d'une partie des Asturies quand même. D'une partie des c'est Asturies, beau, ce oui. Dit. Alors c'est pas les Asturies, mais c'est un peu en dessous, mais c'est tout comme. Et je fais du bon café aussi, mon cher roi d'Écosse. Jadgvabre, c'est plus facile à dire. Ouais, je préfère. Je t'ai envoyé une demande pour le pupille. Ah oui, alors voilà. Je l'accepte, ce pupille. Peux-tu le déshériter maintenant? Alors du coup, je l'ai perdu de vue, je vais reprendre roi d'Écosse. Deuxième ligne, t'as tellement de petits. Non, pas la peine, tu l'as dans tes relations. Je ne peux toujours pas le déshériter, impossible. T'avais lâché Pourquoi la... Bah, est-ce que t'as lâché la pause? Non, je ne peux pas. Il doit faire partie de mon pays. Mais il fait partie de ton pays. Oui, c'est mon invité, t'as raison, il est à ma cour. Ouais, mais c'est pas, doit faire partie de ton pays, pas très ta cour. Non, je suis dans... Tu lui donnes un titre. Oui, ah oui, ça peut se trouver. Donne-moi le temps de chercher où. Un petit comté quelque part. Ouais, bah, en Espagne. En Espagne, justement, allez, on va l'installer. Comment il s'appelle ? Me vole ma famille. Eh, il est beau, il est magnifique, hein. Dans nos relations, on le trouve comment déjà ? Relations, voilà. C'est Svein, c'est Ragnar, hein, c'est magnifique. Ragnar. Et je sais pas si t'as vu, mais attends, quand on est beau, on est plus fécond. Je peux pas lui accorder de titre. Pourquoi ? Il propose pas. Il veut pas. Sachant que c'est ton fils, c'est ça, non ? Non. Ah si, moi je peux accorder un titre, ouais. Ah, moi je peux pas. Je peux pas le placer. Ah, je peux juste l'assassiner, vraiment pour t'arranger, hein. Bah non, il est trop beau. Mince. Arranger un mariage. Non, mais je peux le marier. Je peux le marier avec ma fille, en matrilinéaire. Est-ce que ça pourrait pas régler le problème? Ça veut juste dire que tu hériteras de mon royaume d'Angleterre. Oui, mais s'il se marie avec ma fille, dans mon pays pour une fois. Et là, je peux le. Ah, c'est compliqué. Non, il va venir à ma cour. Ouais, ouais. Il va pas faire partie de ton pays. Tu peux pas lui donner de titre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce gosse? Pourquoi ma femme a un fils aussi beau en plus? Ah tiens, c'est le duché du Lyon entier que j'ai capturé. Ah bah tiens. Qui a le duché? Qui a le titre? Notre succession. Notre succession. Ah ouais, non, je peux rien changer. Je ne peux rien changer. Je peux devenir empereur. Alors, go. Créer le titre. Titre d'empire requis. Quoi? Pour devenir empereur de Grande-Bretagne, il faut déjà avoir un autre titre d'empereur. Ah. Comment c'est possible? C'est impossible. Ok, je vais peut-être régler. Et de toute façon, je suis loin d'avoir ce qu'il faut. Ouais, et tu peux l'assassiner et tu peux assassiner l'autre. Lequel autre que tu voudrais au choix? Mon fils, Jarlol Vulf. Alors lui, si je tente un assassinat, c'est pas terrible, 5%, alors que ton petit dernier, c'est 95%. En plus, il est à ta cour, bah bonne chance. Fais vite. Ah non, c'est tombé à 5 aussi. Bon bah choisis lequel tu veux. Je peux pas faire grand chose. 5, mais ça va te coûter une fortune. Ouais, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'était au tout début que je pouvais... Renvoie-le. Je récupère mon tuteur. T'es un mauvais parrain. Ah, tout de suite. Autre, retire le tuteur, voilà. Ah, t'es méchant même. C'est clair. Vas-y, réessaye. Il faut se débarrasser de ça. Le stress absolu. Mais oui. Alors, Ragnar, assassiné, 95, c'est parti. Ah, j'étais en... Merci. En plus, j'ai claqué les frics pour essayer de tuer un sultan à côté. Mince, c'est vraiment pour se faire plaisir. Ben oui. Bon, nous, on a 4700 hommes. Il y a lié à qui? Demander communication. Je comprends pas là. Il a que ça. Comment je peux faire? Payer un chasseur pour la carte, explorez vous-même. Ok, bon bah toi, on va demander un truc comptable.
21% les Adamites. J'ai une fille. Ah bah décidément, c'est très bien. Ok. Allez, je vais lever toutes mes troupes. Tout lever. Là, lui, on pourrait l'attaquer, le 4 à vide. Mais tu déconnes, quoi. Non, c'est qui le Wessex? Découvrir les crimes du roi Sixtri. Ben non, on s'en fout. J'ai un hameçon contre toi, apparemment. Moi ? Bon, l'assassinat, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. 8 mois, par contre. Par contre, je sais pas si je vais apprécier que tu tues mon joli fils magnifique. Ah, il te le saura pas. J'espère. Hein ? J'espère pour toi. Ah, mal aller, sinon. C'est la guerre. Allez, pigeon voyageur, on va accélérer le truc. Au niveau culturel, tu commences, ça avance bien. Bien. Donc, monsieur de Kent. C'est vrai qu'on va peut-être pouvoir recruter des hommes d'armes. Merci de vous faire révoquer votre jarldom. C'est la guerre. Ah, il s'est rebellé tout seul sans le Wessex. On va créer encore. Divigmen, c'est toujours bien. Un nouveau trait malade. Là, tu vas mourir avant moi, c'est pas possible. Je vais voir le petit-fils de mon frère sur le trône. Ah, mais je n'ai plus de médecin. Ça sert à rien, les médecins. Ah, si, ça soigne. Non, franchement, ça sert à rien. Complot à la cour. Ça commence. Ah, tu vois, je commence à m'installer, je commence à faire des complots et tout. Non, mais ça va, oui. Voilà, il m'a soigné. Merci, mon gars. D'ailleurs, dans ma cour, tout le monde est catholique. Ouais, c'est bon. Bon, alors, j'ai une crevette et elle s'appelle Iliana. On va éduquer l'enfant avec qui Alors, je tiens à préciser qu'en fait, pourquoi ça coûte autant de prestige d'augmenter l'autorité de la couronne? Je peux le faire sans délai grâce au Ting, qui permet d'enfreindre la période d'indisponibilité du changement de niveau d'autorité en échange d'un coût en prestige très élevé. Donc en fait, je peux aussi attendre. Mais comme je suis vieux, marchera pas. Mais au moins, j'ai avancé d'un cran, donc... Donc c'est déjà pas mal. Qui se débarrasse de sa femme. Et sa femme, sa sœur. Et je suis rétabli. Bon, j'ai un frangin qui m'embête. Il est où, lui? T'as un frangin qui t'embête, Marie, le de mes filles. Non, un duché, on va le nommer. Il va être vassal de quelqu'un, il va se calmer. Ben voilà. Ah, il manque de l'argent. Évidemment. Sauf si on veut faire des pièges. Petite pause. Les Calatravides. Qui sont des Espagnols aussi. Oui. Sont actuellement dans 3 guerres, dont 2 qu'ils perdent. Et ils ont 289 hommes. C'est ce que j'ai dit. Moi, je dis ça comme ça. Ouais, si t'as envie de remettre en pause et d'aller voir. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas grand chose chez eux. Ouais, je peux toujours conquérir un petit comté. La petite Navarre. La petite Navarre. Ceci dit, elle est déjà probablement dans une des guerres, la Navarre. Ouais, mais faut que je sois plus rapide. Dans guerre d'indépendance, ça, tu t'en fiches. Conquête du Sheikha d'Alarcos. Alors, le Sheikha d'Alarcos, je sais pas où c'est. Allez, c'est parti. Ça va faire du bien. Ça va occuper un peu les Vikings. Bah oui. Disait le mec, 289 hommes. J'ai pris en tête le fils héritier du duc. Bah voilà. J'appuie mes exigences, je lui vole toutes ses terres.
Oh, cette musique. Je l'emprisonne et je lui révoque toutes ses terres. Je suis pas mal comme souverain, côté stress, c'est pas mal. Du coup, il me faut un nouveau chancelier. Mais il est quoi, lui? Il est maréchal? J'ai 5000 hommes quand même maintenant. Trop de terre, je m'en pose. Je vais donner... Mince, il a donné des terres aux terres... mince alors. C'est quoi en culture déjà pour changer de partage? Enfin, disons passer autre chose que tribal. Eh ben, pour l'instant, pour être autre chose que tribal, il faut que tu montes ton autorité de la couronne au max. À 4. On va monter à 3, on va voir ce qui se passe. Hein, pour monter à 4, il me manque beaucoup de prestige. Oh, punaise. C'est exactement ce dont je viens de parler, mais si tu laisses passer la période d'attente, ouais, tu auras beaucoup moins. On va transférer un vassal. C'est l'heure. Faites-le, quel qu'en soit le prix. Allez. Survivre un enfant. Non ! Assassin ! Je sais pas qui. J'aurai ta peau. Merci. De rien. Ah, voilà une belle succession. Il était magnifique. Comment je suis déçu. Fais-moi des belles filles. Plutôt que des beaux-fils. Ah ben, je peux pas le transférer, ça reste chiant ce frangin. On va l'influencer. On peut pas non plus. Allez, je vais faire une petite communion distique. Je me sens bien en communion avec moi-même. Attends, je peux pas prendre la vilaya là? Eh ben, on va aller là. La Navarre. Alors, j'ai jamais été très dévot. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu dans ma vie, mais ça n'a jamais été trop violent. Allez, on découpe un petit peu du local. Alors, le problème que j'ai, moi, c'est que tout le coin de Londres, en fait, les mecs, c'est des adamites. C'est les mecs qui se mettent tout nus, là. Ouais. C'est honteux. Ah, ça va reloquer ton visionnage, là. Les gens vont aimer. Non, je les bute. Je les fais cramer. Ils crament tout nus. Hé, qu'est-ce que c'est que ça que t'as fait, là? Quoi? J'ai rien fait, moi. Tu m'as volé des terres. Où ça? C'est quoi, cette histoire-là? C'est un de tes vassals. Tu laisses faire n'importe quoi à tes vassaux. Mais il devrait pas être là. Bah, il s'est gêné, tiens. Je suis au rang 3. Ah. Bon, tu peux toujours l'assassiner. Bah, et alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller quelqu'un d'autre dans ton... chez toi? Je ne sais pas. Attends, est-ce qu'il y a des enfants? Il a qu'un seul enfant. Comment veux-tu que je te le refile, celui-là? J'irai le chercher de force. Oui, voilà. On va voir ça après. Prisonnier capturé lors du siège. Bien. Il y a des hommes qui arrivent, bien. On va débrinéquiser. Ensuite, on ira aller voir Powys. Et ça m'arrange un peu parce qu'ils ont pris ses terres à Powys, qui était vraiment puissant. Et qui, du coup, il est beaucoup moins. Bon, bah, puisque je veux pas mourir, je vais continuer mes conquêtes. Ah ouais? Qu'est-ce que ça va faire? 65 ans, toujours aussi vaillant. Oh, mais c'est qui monte, hein? Je vais mettre en pause, je regarde mes frères et sœurs. Je suis un gentil frère. Ivar le désossé. Je suis le dernier vivant des frères et sœurs. Hein. Le premier Barry est mort à 29 ans, toi t'es mort à 48 ans, Aslaug est mort à 52 ans, le Guthrie est mort à 40 ans, et moi je suis
à 65 ans. Mais on va voir les fils de Ragnar. Le Jarl Sigurd, il a encore une fille de 41 ans. Le duc Halfdan, il a encore un héritier. Oui, j'ai un cousin de 65 ans aussi. J'ai un cousin qui est encore en vie. Et une cousine, plein de cousines. Il y a un cousin de 33 ans. Mais dis donc, Bjorn, Côte de Fer, il est toujours en vie. Ah oui, il est solide cet homme. Un tonton qui est toujours en vie. Tiens, des impôts. D'accord, des impôts. Moi j'aime bien imposer des trucs. Moi j'aime bien gagner. Allez. Comment se porte mon épouse maintenant qu'elle va donner un fils et trois enfants? Mes filles, il y en a une qui est quand même physique avenant, c'est tout. Ouais, c'est pas terrible hein, en héritage. Ah non, la génétique c'est plus ce que c'était. Je suis sûr qu'il m'a menti, qu'il pouvait déshériter. Bon, en même temps, notre alliance pour l'instant ça calme un peu les voisins. Je vais pas me plaindre. La maison Ivar, la maison Sigurd. Pourquoi moi j'ai pas de maison? On va entailler en pièces les gens. Les membres terriens peuvent créer leur propre maison, une branche cadette. Les membres de la maison secondaire sont libres de faire. Je peux faire ma branche cadette? Le problème c'est que si je le fais, ça doit être une décision. Je ne veux pas d'un comté, je veux le royaume en entier. Ton gouvernement ne permet pas la création de branches cadettes. Mais ça va, t'es gonflé. Ils sont combien eux? Ouh, ils sont 4000. Ça monte. Voilà. Bon ben, puisqu'il est pas là, lui. On va essayer de dépiauter un peu les ennemis, autant qu'on peut. Ici. Voilà. Une guerre trépidante. Faction dangereuse. Le peuple adamite, ils reviennent. J'en ai tué un, l'autre est toujours là. Ah bah, reine est féconde. C'est pas super tout ça. J'ai été obligé de le dérévolter, lui. On va désamitiser tout ça. Promouvoir la culture. Allez, go, en Kent. Le prestige est quand même important. 71%. Alors, tu vas prendre quoi? Alors, j'ai des armées hostiles, il y a 6000 hommes. Oh là là, ça pue. Besoin d'un coup de main? Peut-être cette fois. Je vais appeler mon allié, hein. Ouais. Je suis en guerre, alors je te conseille de te replier. Parce que je vais pas venir tout de suite. J'ai 5000 hommes, ils en ont 6000. Ah, c'est pas moi que t'as appelé. Non, je me suis trompé. Un allié rejoint le roi. J'ai appelé Varson. C'est toi? Ouais, bah. Je sais pas. Comment non, t'as rejoint ma guerre, merci de ton aide. Ah non, mince. Mais je m'en sortais bien, hein. En face, ils ont zéro homme. Comme tu peux le voir dans notre guerre. Ouais. Ouais. On est maintenant 9000 contre 0. Allez. Moi j'y crois, moi. Je vais devoir faire une paix blanche, je le sens. Non, 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 replie-toi. Et j'arrive, hein. Mais il faut que tu m'appelles à la guerre. Punaise, pause. Dans ce cas, ça veut bien la pause. Et en plus, je viens de finir cette guerre-là. Bravo. Alors, on reprend ça. On part en bateau. Je peux pas t'appeler à la guerre. Ah si, ça y est, quand même. Pourquoi il m'aime pas? Ça y est. Tribu, conseil, au-delà de la limite du domaine. Me replier, ouais, j'aimerais bien. Trop. Tu as reçu mon appel, normalement. C'est parti. 3000 hommes approchent.
J'ai trop de duchés apparemment, faut que j'en enlève un. Le duché de Kent. Ah oui, j'ai le duché de Kent. Et j'ai le duché de... Oh. Attends, je mets en pause pour pouvoir gérer ça. Non, 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 je mets pas en pause. Je réunis mes troupes. Et quand elles seront réunies, je pars vers chez toi. Écoute, je vais à Barcelone, je me casse. Ouais, bah, tu te casses, tu te caches. Je vais perdre des hommes, par contre. Hein. Non, non, non. Où est-ce que je dois débarquer? À Tosca. C'est parti. Tosca, c'est où, ça? Sur la côte. Que tu connais, que tu détiens. À la limite, on peut embarquer un peu. Charles Dom de Alba. On va embarquer. C'est quoi le Charles Dom de Alba? Ça va me coûter 13. On va réattaquer les ceux qui se révoltent contre moi, tiens. Là, ils ont combien d'hommes? Mince, j'ai perdu des gens au conseil. Ah, j'ai perdu du monde. 4600 hommes, il me reste. Ok. Bah, tu peux te grouper à moi si t'as une grosse bataille à faire. Parce qu'ils sont 2600 en train de t'assiéger, donc je peux m'en occuper tout seul. Ah bah va, je vais m'occuper de ceux qui sont contre moi au sud. Je prends leur capitale, au sud de l'Espagne. Ouais, par contre, t'es aussi en guerre contre les Salimites, c'est ça? Ah bah, et les Omeyades. Voilà. D'accord. Donc je vais aller à Séville, là, les calmer un peu. Ils sont 4200 en face. On est 9000. Qui c'est les Vikings? C'est nous. Fais gaffe. Hein. J'aurais dû rester avec toi, du coup. Non, 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 non. Moi, à 5000 contre 6000 en défense, ça va le faire très bien. Je sais pas où sont passés les autres. J'ai vu 6000 pourtant. Oh ah non! Ah non! Ah si! Tu es mort. Non, mais attends! Non, mais j'ai eu un fils le jour d'avant! Alors, qui est le roi d'Écosse? Oswulf! Non, c'est une fille que j'ai eue! Mais il est pas bien ton Oswulf, tu l'aimes pas? Non, c'est bon! Attends, j'ai eu un enfant juste avant! Oh, punaise! Non, non, j'ai pas eu un enfant! C'est mon fils qui a eu un enfant ce jour-là! Oh mon dieu! Ah, t'as eu super froide là! Voilà, mon fils vient de naître. Le jour de ma mort. Il est né le jour de ma mort, Olaf Rikisason. Mon petit-fils est mort le jour de ma mort. Et est né le jour de ma mort. Voilà, là, 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 là. Je gère mon royaume. Allez, les Vikings, on y croit. On perd de l'or, on perd du prestige, tout va bien. On peut demander de l'or à la fois, tiens. Allez, s'il te plaît. Ok, ça picote et ça picote. Alors le maître espion 15 c'est bien, mais il me déteste, du coup c'est pas bien. Douze qui m'aime bien, c'est mieux. Alors ma femme, je crois que c'est une bonne à rien. Elle est grave bonne à rien. Hop, divorcée, demander un divorce, comment ça non? Assassiné. Comment ça oui? Ah bah j'étais fan d'un coup. Tes guerres c'est énorme hein. Ah bah faut bien avancer un petit peu. Ah oui, par rapport à moi qui grignote. Bah je grignote aussi. Je fais que ça, du grignotage, j'arrête pas de grignoter. Diplomatie. Pourquoi je serais diplomate hein? Ah bah intention bienveillante, puissance du contrôle aux influences. Prestige mensuel par redoutabilité plus 1%. Prestige mensuel par chevalier. Prestige mensuel. Ah, bah tu sais quoi, on va rester en diplomatie. Prestige mensuel, paf. On va gagner plein de prestige. Mais pas plein d'or par contre. Hein. Donc on fera de l'or plus tard. Au-delà de la limite du domaine. Ouais, bah, je suis très au-delà. Mais d'abord, est-ce que je pourrais augmenter mon autorité tribale? Je peux. Augmenter mon... Et est-ce que je peux devenir maintenant... Comment je fais pour changer? Caresser mon chien, tiens. Oui, c'est déjà pas mal. Déjà, pour commencer. Et comment je fais pour ne plus être tribal? Est-ce que ça se trouve, il est plus tribal déjà d'emblée? Non, j'ai tribu comme gouvernement.
Alors, le gouvernement, il est où? Il a été désigné, domaine. Faut que j'aille regarder mon titre principal, ça doit être ça. Ajouter des lois. Gouvernement, partition. Mais écoutez, je regarde ça entre deux épisodes, c'est dans 5 minutes que ça se termine. Zou. Non, j'éditaire, stop. Ouais. Mon fils. Héritier, alors, lui, il est beau, lui, il est avenant, et lui, il est rien du tout. Donc, celui qui est rien du tout, il va hériter de certaines terres. 1, 2, 3. Allez, j'ai un Lopez, penseur perspicace. Hop là. On va lui faire 6 terres sur 5. Et on va en rester là parce que j'espère me débarrasser de ma femme. J'aimerais bien inviter des gens, hein, voilà, pour se débarrasser de ma femme. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ça en... Qu'on n'en fasse pas une grosse fête. C'est parti, c'est pour dans 3 ans. Et je vais débarquer sur ta guerre. On est à 80%. Et là, je vais leur mettre une baffe. Autant dire que la guerre sera finie à la fin de ma baffe. Une descendance encore. Oh, un fils, un deuxième. Bon, j'aurais dû peut-être me calmer, moi. Yes. En effet, embrasser le célibat, je pense. C'est pas mal, ça. Parce qu'il est comment? Ah, il est pas mal, lui. Il est pas mal du tout. Voilà, la bataille est en train de se terminer. Clac. On n'a même pas perdu un seul homme. On est à 83% et du coup, je m'approche de Séville, c'est ça. Mais dors pas, Tech. Attention. 3, 2, 1, bingo. Un complot découvert. 84%, merci, 92%. Oh, c'est beau. Oh, allez, 8 mois. Il faut forcer. Bon. Au niveau des vassaux, la gestion de l'Empire se passe bien. Enfin, l'Empire du Royaume. L'Empire. Ouais, j'y crois déjà, ouais. Tout ça parce qu'il a mis un pied en Angleterre. Non, bah il est bien lui. Poste vacant conseil. On va influencer ce gars-là. Même pas, toi. Un petit duc qui commence à être vêche. Déjà. Plus que 5%. Merci pour ton siège. La reine est encore. T'es parti directement sur la capitale. Ah ouais, je devrais peut-être faire ça alors. Non, prendre... c'est pas la capitale de l'ennemi, tu l'as déjà. Ouais, mais l'émirat là que tu prends en fait, parce que moi je pensais prendre. Ça sert à rien, c'est juste pour passer, pour aller en Calatravide et faire du score de guerre. D'accord. 96, plus que 4%. Le seul score de guerre que tu peux faire, c'est des batailles ou prendre des terres de Calatravide. Donc en fait, je suis en train d'attendre qu'ils reviennent, là, les 1000, pour essayer de leur mettre une baffe. Mais normalement, dans 3 mois, c'est terminé. Ouais. Ouais, ça monte bien là. Donc le bassin, c'est 1% par mois. Encore une descendance de mes dynasties. Oh, elle est magnifique, ma demi-sœur. Bon, il est chahuteur, martialité, c'est bien. Très bien, très très bien. Il m'attaque. Il y a 900 hommes qui m'attaquent pendant que j'attaque le château. Ah, ils ont des couilles, hein. Oui, ou c'est le désespoir. Et donc, normalement, ça devrait te faire le petit pourcent qui te manque. Oui. Mais je pense que tu vas l'avoir là tout de suite, maintenant. Ben non. Presque. Ça l'a pas fait au moins. On attend la fin du massacre. Ouais, la fin du massacre, alors, dans ce cas-là. Ouais. Valide-moi la victoire. Eh oui, c'est bon, appuyez exigence, merci. De rien. On disperse. Ah, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est un début.
Ah ouais, c'est clairement pas grand-chose, t'as pris un comté. Ah, c'est tout ce que je pouvais, pendant que je me prépare contre les Asturies. Comment il est ce comté là? Carrière de pierre. Ah, j'ai tribu comme gouvernement, donc il veut pas. Pénible. Non, hop, c'est là. Des coups de fouet, auto-flagellation. Contrée. Ah, c'est bien ça. Très bien, contrée. J'avoue mes péchés. Et on va mettre en pause. Eh oui. Je viens de devenir contrée pendant que tu viens de prendre un tout petit bout de l'Irlande du Sud. Belle Irlande. La Nouvelle du Irlande. Sud. La ouais. Nouvelle Irlande, comme on l'appelle. Je connais pas cette icône. Ah, à tout disponible, d'accord. Prestige mensuel par vassal puissant au conseil. Je vais augmenter mon prestige mensuel au maximum. Et entre deux épisodes, je vais regarder comment on fait pour passer féodal. Ça va être une bonne solution pour nous, c'est exact. Et moi, je pars à la chasse, il me faut du prestige. Allez, au prochain épisode, bye bye tout le à monde. Plus, tout le monde.